Ici Rocket, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur l'épisode de je ne sais pas combien de Fallout 76. Je recommence l'aventure. Je recommence à zéro. Eh oui. On est sur épisode 7. Désolé, pardon. Je me suis égaré. Bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler à Rose maintenant. On va aller la voir. Et ouais, on va aller là-bas, mais d'abord, on va devoir aller dans ce château là-bas. Donc, balance l'intro. Donc, on va avancer. Je connais les lieux un peu par cœur, donc je sais où passer. On peut aller directement par là, mais en fait, on va monter. Pour être en hauteur, pour pouvoir les tuer facilement. Et on va prendre mon fusil parce que l'arrangeur il est un peu abîmé. On va pas faire tout le camp parce que ça prendra du temps. Moi j'ai juste envie de parler à Rose. Et en plus, je sens qu'on va avoir une autre mission plus importante. Oh non, voilà, calme-toi. Il y en a encore? Vous êtes vraiment fous, hein. Ils sont enragés de ouf, hein. Bref. On arrive ici. Qu'est-ce qu'on fait? On se planque. On regarde. Il y en a un. Là, faut bien viser. Faut juste attendre qu'il se place. Ah, c'est chaud. Il bouge trop. Voilà. Voilà. C'est simple, non? Il y en a là-bas. Il y en a juste en face. Voilà. Oh, y a quelqu'un qui a laissé son sac. Fusil à pompe, il a pas pris. Je dis pas que tu vas monter. Je vais quand même prendre ta hache pour la démonter. On est bien là. Il y a encore des ennemis. Mais what the fuck, qu'est-ce qu'il fait? Les gars, je suis même pas avec une arme automatique. Vous vous rendez compte? Je suis pas avec une arme automatique et je fais des dégâts.
J'aurais dû choisir fusilleur au lieu de... Oh, regarde ce qu'il y a ici. Des ressorts en vrac, c'est bien ça. On n'a pas besoin d'aller dans la maison tant qu'il nous voit pas. Ah, il y a un ennemi là. Voilà. Voilà ce que j'en fais du chef. Ah, vas-y, je connaissais le plan. C'est nul quand tu connais déjà le plan, tu vois, t'es là. Je suis venu pour rien, je l'ai abattu pour rien. On monte chez Rose. Une jukebox. Grenade à fragmentation, il m'en faut. Des cartouches, c'est bien aussi. Des grenades à fragmentation. Grenade à fragmentation. Ok. Pas vraiment ce à quoi on s'attendait, hein? Bah ouais, tu Enfin, pour vous m'étonnes. prouver ma bonne foi relative, j'ai rassemblé 2-3 merdes à vous donner comme récompense. Cadre photo du pillard, ok. Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu me donnes? Récompense, Team Pack, Radaway, cartouche 45, dessus dormant. Épée guitare. Mais c'est ridicule ce que tu me donnes là. Ouais, mais j'ai pas compris ce que tu veux faire.
j'ai cru que vous alliez jamais me le demander. D'abord, faites-lui une offrande de paix. David avait un trophée qui lui servait de symbole de chef. Vous pourriez le donner à Meg comme si vous lui passiez le flambeau. Ensuite, je vais la faire sortir de son trou avec une diffusion très spéciale. Le problème, c'est que j'aurais besoin d'accéder à d'anciennes banques mémorielles que David a scellées. Il était du genre sentimental, je comprends. Mais j'ai besoin que vous trouviez son programme original. Je suis presque certaine qu'il l'a planqué au mémorial de Rosaline. Ok. Ouais, à propos de ça, David voulait que personne ne soit au courant pour le mémorial. Il pensait sûrement que les autres penseraient qu'il se ramollissait. Et il avait pas tort. Alors, j'espère que vous aimez jouer les détectives. Il faut que vous alliez dans la chambre de David, que vous récupériez le trophée, puis que vous trouviez quelque chose qui vous indique l'emplacement de ce mémorial. Je dis pas qu'il faut que vous mettiez l'endroit sans dessus dessous, mais ce sera peut-être le cas. Fastoche, pas vrai? Oh là là! Bon, par contre, Madigan, je peux pas le fouiller, je peux rien faire avec lui. C'est pas possible, frère. Ça veut dire que la quête de Madigan, elle est morte ou quoi? Attends, faut que je regarde. Bon, déjà, je vais à mon camp. Je fais un petit voyage rapide. Un petit voyage rapide, les gars, vous allez voir, ce sera vite fait. Je vais rester là et monter la garde. Je peux tout voir grâce à mes yeux bioniques et ses objectifs. Et comme c'est votre jour de chance, puisque vous m'avez aidé à me connecter au système d'alerte d'urgence, vous allez pouvoir entendre ma délicieuse voix où que vous alliez. Ouais, c'est pas ce que je voulais, mais voilà. Pas grave, pas grave. Au moins, on s'amuse un peu avec elle. Laissez mourir en paix. Voilà. Je regarde combien j'ai sur moi. Objet, je suis à 204. Qu'est-ce que j'ai de trop lourd là? Armure, ça va. Bref, on va aller là. C'est simple, il faut retourner à Pleasant Valley. On avait déjà commencé à nettoyer les lieux. Ça va être super simple. Oh, j'ai un level en plus. Nickel. Va falloir que je trouve la bonne carte. C'est jamais facile quand tu as les cartes au hasard.
Rage de nerf. J'ai toujours pas d'adrénaline, fais chier. Je veux voir c'est quoi l'événement et après... C'est un moyen de gagner d'XP, on gagne de l'XP, c'est bien. Mais les mutants, ils sont trop forts, les mutants, frère. Ceci est un appel à l'aide enregistrée. Notre colonie a été attaquée par des mutants la nuit dernière. À l'aide, je m'appelle Kenneth Dean. Nous sommes au sud d'Huntersville. Je pense que je suis le dernier survivant. Et je ne tiendrai pas longtemps. Les mutants sont partis. Pour le moment, faites vite. Et détruisez leur sac de viande quand vous arriverez. Ça devrait les pousser à ne pas revenir. Il y a une machine dans le cratère. Elle se chargera des radiations dans la zone. Assurez-vous qu'elle fonctionne. Nous ne finirons jamais. Bon, on va attendre les gens parce que... Moi, je le fais pas tout seul. Et lui aussi, je crois qu'il a pas trop envie de le faire tout seul. Salut, non, n'y va pas, n'y va pas. Mais lui, il est niveau 400, frère.
Merde, je suis tombé. Bon allez, je suis obligé de faire ça à la rangeur parce que... Mais ouais, je suis son... Ils sont level 50, wesh! Moi, j'ai jamais demandé à ce qu'ils soient aussi level, aussi haut level, frère. Ils tirent d'où? Oh non, vas-y. Voilà. Vas-y, ils sont trop nombreux. What the fuck? Je suis la bombe. Ils étaient trop nombreux, mec. Abusé, abusé. Ils ont spawn en face de moi, frère. Moi, j'ai surtout peur de perdre mes munitions. J'ai vu un légendaire ici. Gatling Plasma. Faut savoir que mardi il y a maintenance, donc autant
Autant en profiter maintenant. Quand t'es trop lourd parce que tu ramasses un peu tout et n'importe quoi. C'est un carnage, les gars. Un légendaire. Qu'est-ce qu'on est bien. Oh, il y a un autre légendaire là-bas. Du plomb, ça fait du bien. Thank you.
Ouais, événement réussi. Je sais pas ce que j'ai gagné d'autre. Mais là, l'objectif est de tout désintégrer. Ouais, sans recycle, sans recycle, sans recycle, sans recycle, on 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 recycle, sans recycle aussi. J'ai déjà un pistolet laser, donc ah mais il fait plus de dégâts, non il fait pas plus de dégâts. Je peux rien fabriquer en vrai. Ah si, j'ai l'arme du tracit. En vrai, l'arme du tracit est ici. Hein. Non, c'est pas ce que ça que je voulais faire, c'est modifier et réparer. Allez, je te récupère. Je suis encore trop lourd. Qu'est-ce que j'ai en trop? Il faut que je regarde qu'est-ce que j'ai en trop. Déjà ça, tu vas là-bas. Toi, tu vas là-bas. Toi, tu vas là-bas. Toi, tu vas là-bas. Gatling. Gatlings. Mais c'est abusé, frère. Voilà, déjà là je suis mieux. Eh bien, salut les amis, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On a croisé Rose. On sait ce qu'il faut faire maintenant. Je ferai ça dans un prochain épisode. L'événement, il a pris du temps, je suis désolé, mais voilà, on a pris de l'XP, c'est ça le plus important. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et si vous êtes joueur de Fallout 76, ben sur PS4 ou sur PS5, et ben n'hésitez pas à venir jouer avec moi, les gars, hein. Moi je suis prêt. Hein. Je suis peut-être pas encore au level, mais ça commence, ça commence. Voilà, allez, à plus.